Bonjour, c'est Baer avec vous. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel sur Ubuntu, plus précisément une série de tutos. Bon, elle n'est pas énorme sur deux vidéos et qui concerne l'installation d'un serveur LAMP sur le Ubuntu 16.04. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment installer Apache et PHP. Et dans la vidéo suivante, on va voir comment installer MySQL et PHP MyAdmin. Alors, on va commencer par le terminal. On va faire toujours la première chose la plus importante, c'est de vérifier que tout est à jour. Alors, il y a quelque chose qu'il faut mettre à jour. Très bien. Ensuite, on va installer Apache. Alors, il va s'installer. Alors, pourquoi cette série de vidéos? En fait, après la sortie d'Ubuntu 16.04, j'ai constaté qu'il n'y a pas vraiment de vrais tutoriels qui expliquent comment faire l'installation. Et surtout avec PHP 7.0. D'ailleurs, vous allez voir après qu'il y a des choses qui ne sont pas, pour moi en tout cas, n'étaient pas claires. Alors, on va vérifier que c'est Apache. Il est bien installé. Status. Excellent, il est active. Bien. Ensuite, on va passer à l'installation de PHP 7.0. Alors, comme j'ai dit, en fait, c'était prévu que PHP 7.0, d'après ce que j'ai lu, qu'il soit installé par défaut sur Ubuntu 16.04. Mais lorsque, au fait, j'ai voulu voir, non, c'était pas le cas. Et le pire, c'est qu'on ne pouvait pas installer PHP 5. Donc, la seule version PHP qui doit être installée, c'est PHP 7.0. Mais elle n'est pas existante. En tout cas, sur la version que j'ai installé au 27 avril 2016, elle n'existait pas encore, la version PHP 7.0. Donc, pour faire tout simplement, il fallait faire sudo apt-get php 7.0. Oups, install, bien évidemment, sinon ça ne va pas marcher. Oui, j'aimerais bien installer ça. Et puis, comme j'ai dit, en fait, même sur les tutos, j'ai pas trouvé sur le net comment installer PHP 7.0. C'est vrai que vous allez me dire, bah, c'est trop simple, c'est 7.0, il n'y a pas, faut pas chercher de midi à 14h. Mais voilà. Alors, on va vérifier PHP-V, est-ce qu'on a la bonne version? Voilà, PHP 7.0. Excellent. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que, en fait, on peut installer aussi la librairie de Apache 2 liée à PHP 7. Cette librairie-là va nous permettre d'installer des modules qui peuvent être qui sont peut-être importants entre Apache 2 et PHP 7. Alors, c'est simple, sudo apt-get install lib-apache-2-mod. PHP 7.0. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi elle n'a pas accepté ça? Pour le page PHP. Alors, on va vérifier pourquoi. Alors, on va voir ça. Est-ce que libpage ne marche pas? Alors, lib page 2 mode, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, on va faire sur Ubuntu. PHP
7. Alors, comme vous voyez, en fait, je cherche comme vous. Normalement. Ah oui, lib Apache 2. Pas Apache. Lib Apache 2. On va essayer de faire. Donc, c'est lib Apache 2, pas lib Pache. Alors, lib Apache 2, 7. Excellent. Donc, on va voir si elle a installé des nouveaux modules ou non. Bon, voilà, elle a installé ce module-là. Elle a installé le module. Je vois. Building. Donc, il y avait le PHP Pir. Voilà, c'est ça le module qui a été installé. Donc, libpage 2, module PHP 7.0. Voilà. Donc, on a fini pour l'installation de Apache 2 et d'Apache et de PHP 7.0. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer MySQL et PHP MyAdmin. Merci pour votre suivi. Au revoir.